Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de ma carrière. On est sur WW2K16, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien, je vous remercie. Alors aujourd'hui, bah là on va combattre Kalisto Avoir. On est toujours en lice pour la ceinture NXT. Logiquement, elle sera acquise aujourd'hui, enfin quand je dis, à cet épisode-là ou au prochain. Je pense qu'il faut juste attendre un pay-per-view pour pouvoir affronter Kevin Owens et enfin lui prendre sa ceinture une bonne fois pour toutes, parce que pas se mentir, on la mérite. Ça fait quand même, fallait disons 5 épisodes peut-être, si je dis pas de bêtises, où on ne subit limite aucune défaite à part dans les interventions où je me fais victime. Mais voilà, donc on va essayer de faire les choses plutôt bien, sans prise de tête. Bon, Kalisto, on a combattu Kevin Owens, Finn Balor, Sami Zayn, des combats plutôt compliqués, mais on les a gagnés. Donc je pense qu'un Kalisto, ça devrait le faire. Mais il ne faut pas prendre Kalisto à la légère. Voilà. Calme-toi tout de suite. Oh, non mais... Genre tu me relèves, comme ça tu crois que je suis... Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ça, dès le début. Hop là. Et ouais, tu connais pas la puissance d'El Pig. D'accord, non mais je rigolais. Il m'a mis un stop. What? D'accord, tu me re-soulèves. Aujourd'hui, je suis une victime. Hein. Voilà. Boum, je t'écrase la face. Il y aura du sang plein ton masque et tu crois plus rien voir. Bah oui. C'est la technique du petit cochon, ça. Et vu que t'as voulu me faire ça, bah moi aussi, je vais te le faire. D'accord, en fait, je voulais pas forcément faire ça. Mais c'est pas grave, hein, ça marche aussi. Ah, j'ai mal au cou. Donc si vous entendez mon cou craquer, bah c'est normal. En plus des touches, hein. Vous inquiétez pas, bientôt... Je récupère un nouveau micro, un micro plus professionnel, on n'entendra plus trop les touches des manettes, tout ça. Ça sera beaucoup plus intéressant pour vous à écouter, en tout cas. Du moins, j'espère. Allez, relève-toi. Ne vous inquiétez pas, monsieur l'arbitre, on reviendra. On reviendra, il n'y a pas de problème. Là, je m'en occupe juste. Attention, les petits loups, ça peut éclabousser. Eh ben oui, ça peut éclabousser. Eh oui. Là, je suis en train de lui faire très mal. Là, j'ai aucune pitié. Faut pas avoir de la pitié pour Kalisto. Sinon, il vous prendra en sandwich et ça ira mal pour vous. Attendez, on va récupérer un peu. Voilà. Par contre, oui. J'avoue, j'ai un petit peu abusé au niveau de l'endurance. J'espère que ça ne sera pas préjudiciable. Reste par terre. Je lui ai dit de rester par terre. Il m'a pas écouté. Non, 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 non. Non, non, non. D'accord, je lui ai mis un coup de fesse. Je lui ai mis un joli coup de fesse. Il n'a pas trop compris. Oh là là, oh là là. J'avoue que c'est contre lui. Ça rigole pas. C'est pas genre, voilà, comme moi, je fais un truc tout pourri. Lui, il fait un truc magnifique. D'accord, très bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Par contre, on a une bonne barre d'avance, une bonne barre et demie, même presque. Donc ça va peut-être bien se passer, du moins je l'espère. Attends, non, non, non. Ah, ah, ça picote, ça picote. Ah, ça picote, ça picote. Je suis mis à dos. Ah, à la dos, deux à dos. Bah ouais. N'hésitez pas derrière, laissez un petit like, hein, si vous voulez. Voilà. Ça ne mange pas de pain. Et, voilà, ça c'est pour vous, voilà. Tu as laissé un like, eh bien je fais un joli compte. Et je lui éclate la face. Par contre, avec tout ce que je lui ai mis, je suis qu'à 72% de mon momentum, ouais. Ah bah ça, comme je dis, le jour... Je vous avoue, je fais un petit peu n'importe quoi quand je fais ça. Mais c'est très dur, même de base, c'est assez compliqué. Par contre, là, j'ai fait le rond pour l'envoyer dans le coin. Il est peut-être plus rapide que moi. Allez, salut. D'accord. Après qu'elle est sortie sur moi direct. Ah, le commentateur il rigole sur ma blague là. Qui était pas forcément une blague mais... Alors là, il faut que je sois intelligent, voyez. Parce que si vous regardez en bas, je ne peux plus contrer. Donc au lieu de l'attaquer comme un rapace d'épique, je préfère attendre un peu, qu'il se relève, etc. Moi en même temps, je récupère mon endurance. Et comme ça, bah, tout est bien qui finit bien. Vous voyez, là je vais récupérer... D'accord, Il m'a contré mon spécial.
Rapace des pics. T'as osé faire ça? Bah tiens, je vais tenter un tombé. Pourquoi pas? On sait jamais. On sait jamais. Allez, un. On sait jamais, hein. J'avoue, je l'ai pas trop respecté sur le coup. Mais parfois ça peut marcher. Par contre, qui m'ait tué mon spécial et qu'il a un finisher, ça me plaît pas trop. Allez. Un petit tour là-bas. Ça te fera du bien. Tout en puissance, bah ouais. Allez, calme-toi, récupère ton endurance. Voilà, parfait. Vite, vite, vite avant qu'il revienne. T'es parti loin quand même, hein. Rappelez qu'il doit, qu'il fait à peu près 120-130 kilos, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, j'ai mis combien au niveau des kilos. Allez, peut-être 2, peut-être 3. Okay. C'est pour le tester que je fais ça, hein. C'est pour le tester. Allez, d'accord. Reste là, reste là, s'il te plaît. Ne bouge pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Oups. Je me suis pris une petite crampe. J'avoue. Allez. Technique du porc. Yep. Il sait plus quoi faire. Mais vas-y, il voulait pas aller en boost. D'accord. Oh bah, oh bah oui, tu t'es pris pour qui là? Tu t'es pris pour qui? Allez hop là. Ça dégage. Bienvenue dans ma ville, moi je te le dis, le public est en délire. Je pense que après ceci, je récupère mon endurance, et là je vais lui faire un spear en courant. Je vais pas lui faire de finisher chargé, j'ai pas envie. Je préfère attendre qu'il se relève, il attaquait, voyez, il rampe et tout. Moi je remets mon épaule en place, il pourra rien faire. À pleine vitesse, il pourra rien faire. J'ai dit il pourra rien faire. Vous imaginez un colosse comme ça qui vous fonce dessus? C'est dur à arrêter, hein, forcément. Allez, monsieur arbitre. Normalement, c'est fini. Hein. Voilà, un colosse qui vous fonce comme ça. Je devrais le faire plus souvent plutôt que faire un finisher chargé. Au moins, je récupère mon endurance. Je fonce dessus, ça, c'est quand même un peu plus impressionnant. Donc voilà. Bon, le match, on va pas se mentir. J'ai quand même plutôt bien dominé. Même s'il m'a fait un contre de qualité, ça... Voilà. Par contre, c'est un peu dommage... qu'on soit un chouïa des 4 étoiles. Je pensais les atteindre avec le finisher et tout, mais dans l'euphorie, j'aurais peut-être dû mettre un coup juste avant de faire le tomber. Daniel Bryans, dédicace à toi, t'as pris ta retraite, mais je suis là pour honorer rien, parce que s'il a quand même une barbe, mon personnage, il a des cheveux aussi longs que toi, pratiquement, il porte aussi un slip, donc au final, si, voilà, si. Dédicace à toi, en tout cas. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Qui allons-nous affronter aujourd'hui? En tout cas, c'était fini, d'accord. Événement du rival, j'aurais peut-être dû... Événement du rival. Que je pouvais rien faire. Mais peut-être que là, je vais pouvoir l'embêter durant son match. Si c'est pendant son match, je vais essayer de ne pas me faire expulser. Parce que si je me fais expulser, c'est un peu la loose. Ah, je veux dire, c'était Sin Cara, mais non. Si, c'est Sin Cara, ça. Ouais, si le match de votre rival, vous pouvez regarder ce match ou le passer en appuyant sur... Ouais, en fait, j'aurais dû m'introduire dans ce match. Désolé, j'ai tête en l'air, voilà. Bonjour, Nasseru. Félicitations. C'est pas grave, j'ai gagné mon match, c'est le plus important. Mais j'espère que ça repoussera pas les chances d'être champion, parce que bon, si tu fais une petite erreur comme ça par mégarde... Ah, ça arrive, ça. Ouais, c'est vrai que la ceinture, elle serait bien sur mon bidou. Ça, c'est bon. Vous voyez? Là, ça veut dire que la ceinture est pour moi. Et là, je suis content, là. Là, enfin, c'est la première fois depuis le tout début que mon catcheur fait un signe comme quoi la ceinture lui revient de droit. Alors, viens voir ce qu'on va nous dire, là. Je pense que le prochain, c'est pas un pay-per-view, c'est sûr et certain. La Superstar 2 a gagné, voilà. Comme quoi, c'est Sin Cara qui a gagné, ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est Superstar, et je pense que ce sera la semaine prochaine qu'il va y avoir quelque chose de
Bien fifou. Par contre, comme je dis, c'est un peu dommage qu'on affronte toujours les mêmes. Je trouve, hein. Enfin, après, je comprends, on peut pas non plus affronter n'importe qui, etc. Mais limite, j'ai envie de lui dire combien de fois on l'a affronté depuis le début. Après, c'était de ma faute, je sais pas forcément comment fallait faire pour prétendre être le champion. Mais on l'affronte quand même beaucoup de fois. Je préférais limite un tout petit peu plus le mode de Touquet 15, qui était plus simple, voilà, on se prend pas la tête. On gagnait plus vite de l'expérience. Là, j'ai l'impression de l'eau au ralenti. Allez. Fais attention, voilà. Franchement, là, je rigole pas aujourd'hui. Hein. Je le dis tout de suite. Il n'y a pas de rigolade. Vous imaginez un match qui commence comme ça? Le public, il peut que kiffer. Franchement, moi, je vois un combat comme ça, je kiffe. Regardez, cette fougue, cette rage. Moi, je joue un mec comme ça, même pas je joue une dédicace, il va me défoncer. Calme-toi, calme-toi. Ça ira bien. On va essayer de. On récupère un peu son endurance. Oups. Je sais qu'il va me frapper comme ça. Calme-toi. Par contre, là, je me dis que c'est une esquive un peu. C'est une bonne esquive, c'est un beau contre, mais au final, est-ce que c'est pas utilisé dans le vide? Sachant qu'il a pas fait une prise en plus ou. Mais bon. Parce qu'on va se plaindre comme fait un contre. Hein. Aïe aïe aïe. Calme-toi. Calme-toi, je t'ai dit. Je suis énervé là. Énervé. Boum. Enlève-toi. Petite chose. Tu m'appartiens. Excusez-moi, je m'enflamme. Oh là. Bah, tout le monde se demande. Qu'est-ce qu'il fait ce mec? Je vais juste montrer au monde entier que le boss, c'est moi. Allez, reviens. Ça, je récupère mon endurance, tout va bien. Et dès que t'arrives, boum! Je te laisse pas respirer. Aucune respiration. Si, 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 si. Et ben voilà. Il me dit non, le bougre. Tu crois que c'est la fête? Pas mal, pas mal. Ah. C'est un petit peu fail. Si, pas grave. Ouh là là, magnifique. Attention! Aïe, ça picote. Aïe. Quoique. Non, je pensais l'avoir. Je pensais l'avoir contré, finalement. Non. Laisse-moi tranquille. J'ai dit quoi? J'ai dit de me laisser tranquille. Voilà, je te l'ai dit, hein. Mais est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que vous pensez qu'il m'écoute? Bah non. Bah non, il m'écoute pas. Allez. Hop là. Ça passe, bien sûr que ça passe. Baptiste la bombe, entre mes cuisses. Tu vas voir le ciel. Adieu. Allez. Baptiste la bombe. Allez. Oui, tu fais une sieste? Tu veux un coussin, une limonade? D'accord. D'accord, très bien. Avec plaisir. Avec plaisir, hein. Y a pas de problème. J'avoue, j'ai appuyé 1 000 fois trop tôt. Ça, c'est clair. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais le... Ouais, c'est bon. Nice. Viens, allez. Je laisse une deuxième chance. Attention. Ouh, mais là, j'avoue, j'ai un peu bourriné. Je voulais être sûr qu'il passe. Bah, tiens, on va tenter de tomber, hein, pourquoi pas. Bon, connaissant sa misaine. Ça ira que à deux. Voilà. On est sûr et certain, voilà. Le mec a une résistance hors norme, pardon. Mais c'est pas grave. Vite, 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 vite. Avant que le monsieur se réveille. Boum là! Bah oui, on essaie de faire des mouvements variés. Le but c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir 5 étoiles dans ce jeu. Avant c'était beaucoup plus simple, je trouve. En même temps, c'est que je varie un peu moins les mouvements. C'est bon. Important. C'est.
Oui. Je suis quand même fait rond avant. Mais c'est pas grave. C'est plus rapide. Je te l'accorde. Attention. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. On est copains, toi et moi. On est copains. Aïe, aïe. On est copains. Bah oui. Hop là. Démonstration de force. Je te l'ai dit. Fais gaffe. Bouh. Oh d'accord, excuse-moi. Mais excuse-moi de quoi? Oh là d'accord. Hop là. Et bouh. D'accord. C'est pas grave. Je suis pas très chanceux. Vraiment ça. Ouais. Ça c'est un beau compte. Bon. Ce qu'on peut lui faire c'est le Toolbox City. Hop là. Ça passait tranquille. Voilà, parce que vu qu'il a plus de. Il a plus de contre. Donc autant en profiter, hein. Autant lui placer notre attaque la plus terrible. Parce que lui. Quoique. Ouais, pour moi, cette attaque la plus puissante. Le Spear aussi est très très bon, ça je vous l'accorde. Allez, pour vous faire plaisir, on va faire un chargé, mais au coin là. Voilà. C'est pas de charger au coin, mais on. C'est tout comme. Attention! Voilà, là il peut rien faire. Bah oui! Obligé de mettre le ralenti. Ah bah oui! Impossible! Il ne peut rien faire. D'ailleurs, Spear, c'est le moins vu de cette vidéo. Et si on gagne, c'est encore mieux. C'est dommage. Mais le Spear reste toujours le mot magique. Et arrête de t'énerver, s'il te plaît. Calme-toi. C'est très bien. Plus tu t'énerveras, et plus il a des chances de gagner. Voilà. Serpillière. Magnifique. Bon, le bâton, là, c'est bon. Relève-toi pas. Je jure, tu te relèves, je te ferai du mal. D'accord. Je dis, relève-toi et je te ferai du mal. Tu veux vraiment te relever maintenant? Oula. Aïe. Coup du faible, ça. Moi, j'appelle ça le coup du faible. Non, mais tu vas pas me faire tomber maintenant. Voilà, un compte partait dans le vide. Parce que j'ai contré, mais finalement, bah, il me sert à rien vu qu'il me prend juste après. Aïe. Non, relève-toi, mon cochon. Non, mais. C'est une blague. Bah oui. Et celui-là va passer, bah ouais, c'est bon. Il y a un moment, ça doit passer. Hein. Faut qu'on fasse gaffe, on a seulement un contre de dispo. Allez, on va lui faire les abdos. Comme d'hab. Boum. On va lui faire quoi? Le Batista Bomb, je pense, c'est ce qu'il y a de mieux pour le finir. Parce que c'est tout en puissance. Et même pas besoin de faire le finisher, je pense. Je pense qu'on n'a pas besoin de le faire. Voilà. Vous voyez, là, sa colonne vertébrale est KO. Et au pire, j'ai mon finisher s'il y a besoin. Mais normalement, non. Tu me fais mentir. T'es pas gentil. Et voilà, tu veux me faire mentir, moi je te fais du mal. Bah, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il veut me faire du mal. Il veut montrer à tout le monde qu'il est résistant. Bah moi, je le détruis. Normalement, c'est fini. Regardez, il est en train de pleurer. Ouais. Nice. 4 étoiles et demi. Enfin, 4 étoiles et demi. La 4ème étoile. C'était cool. Bon, voyons voir la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe. Moi, je me projette déjà dans le futur, vous voyez. Ces combats-là, c'est juste de l'entraînement. Ces combats-là, c'est pour parfaire mon style de jeu. Qui est plutôt... Ça va encore. Il y a mieux, il y a pire. On se débrouille plutôt sympathiquement. Tu vas lui casser la gueule quand tu fais ça. Attention, ça peut être dangereux. Par contre, c'est dommage. Il me semblait qu'il y avait un temps de chargement en bas. À part si c'est pour certaines phases. Oui, ça fait 16 épisodes qu'on tourne, c'est le 16e. Mais je me souviens toujours pas. Même au bout du 50e, je peux poser des questions que les gens qui ont joué une heure bah, pourraient y répondre. Mais bon. Impossible de se connecter au serveur. D'accord. Est-ce que ça a une incidence sur ce que je viens de faire? Que si c'est le cas, c'est pas cool. Regardez, c'est une semaine qui se répète encore.
Il y en a marre. Bon, Kevin Owens, match du soir. Je veux bien qu'on se combatte 500 fois si tu veux. Mais il y a un moment, faudra que je me batte pour la ceinture, je sais pas. Faudra peut-être que j'ai un agent. Comme ça, mon agent saura me dire si j'ai droit à la ceinture, parce que je combat 40 millions de fois, c'est numéro 1, je suis numéro 2. On m'avait dit en commentaire, hein. On m'a dit, Coty, faut que tu fasses ça, là, là. Normalement, ça va arriver maintenant, parce que vous m'avez dit. King is chopping at the bit, ready to get this match started. Look out! Attacking his opponent, but the match hasn't even started yet. Oh, there's some bad intentions behind those shots. Come on, ref, get him off there. Il a osé faire ça? Je vais lui montrer c'est quoi la puissance, ça y est. Allez. Il m'est énervé. Attention, monsieur l'arbitre. Ça va éclabousser. Je vais l'attaquer direct à l'extérieur du ring. Allez, oust. Oublie pas ce coup-là aussi. Hop là. Non mais oh. Je crois que c'était bien ce que t'as fait. Je crois que c'est bien de m'attaquer comme ça en traite. Attention les enfants, petite fille, ça peut choquer. Aïe aïe. Ouais. Et voilà. Tu voulais jouer au Mariole? Faut que je remonte. Le pire c'est qu'il a tout de plus. L'endurance. Les contres. La vie. Il a tout de plus. Mais c'est pas grave. On a affronté. Pire! Vous étiez avec moi quand on a affronté pire. C'est pas une personne, hein. J'ai juste à le dire. Pourquoi non? J'ai envie de me battre à l'extérieur. Puis j'ai mal à mon œil. Je suis en train de pleurer. Poussière dans l'œil. Ça fait mal. Enfin, je serais obligé de mettre pause. Parce que j'aime pas faire une pause durant un match. Et après, dès que je reprends, ça se passe souvent très mal. Non. Bordel. Allez, vas-y. Sois orgueilleux, voilà. Aïe, aïe, ça fait mal. J'ai mal à mon œil. Aïe. Hop là. Je te l'ai dit, hein. Tu cherches, tu trouves. Ah ouais, d'accord. J'ai plus de joue d'endurance. Hop là, reste par terre. Petite balayette qui va bien. Comme ça, je peux me reposer un petit peu. Allez, remets-toi debout. Parfait, ça. On ne fait pas souvent, et c'est beau. J'arrive, attention. Nice. Voilà, mon écran, il a changé de couleur. Il m'a fait flipper. Quand votre écran de PC change de couleur d'un coup, vous dites what? Non. C'est pas grave. Ah, mais genre trop tôt, trop tard, il faut savoir, hein. C'est trop tôt, c'est trop tard. En gros, c'est bien, quoi. Le jeu arrive à te dire que c'est trop tôt et trop tard en même temps. C'est... Comme quoi, j'avais bien appuyé quand il fallait. Voilà. Enfin, j'avoue, trop tôt. Là, je dis carrément, voilà. En plus, c'est pas là où il fallait faire. Pas là où il fallait se tromper. J'ai eu chaud. J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. Aïe, 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 aïe. Ça sent pas bon. Oh, bien joué. Il s'est trompé au niveau de la distance. Et là, j'ai beaucoup de chance. Hein. J'ai beaucoup de chance par rapport à l'erreur qu'il a faite. J'ai une chance de fou. Attends, récupère un petit peu. Voilà, ça va suffire. Allez, un petit Batista bombe, s'il vous plaît. Il faut qu'il passe, voilà. Mais j'ai eu de la chance. Hein. Je crois qu'il voulait faire son finisher et il a mal jugé sa distance, ce petit fifou. Si, ça va te faire du bien ça. Attendez, on va aller faire ça aussi. Voilà. Et là on va rester tranquille. Allez, relève-toi. N'attends plus que ça. Vas-y, j'arrive.
Oui! C'est beau ça! C'est du beau jeu! Allez, on se ressoulève. On arrive limite à égalité au niveau de la vie. J'aime bien l'attaquer dehors. Je sais pas. Je me sens pousser des ailes quand je suis dehors. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, si tu veux, allez. Attends-le ici si tu veux. Voilà! J'avais peur qu'il me contre et qu'il me balance en l'air. Mais non, tout va bien! Tout va pour le mieux. Par contre, fais attention, t'as l'air un peu fatigué. Ça sert à rien que je lui fasse un. Chut. Zut, 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 zut. Ouais, niveau physique, il est. Oh non. Voilà. Fais un truc, fais un bug. Glitch. Oui. Ça, c'est beau, ça mérite un like, ça. De le contrer sur son finisher. C'est magnifique. Et pour la peine, je te fais un. Allez, suplexité. Je voulais faire un Batista Bomb, mais je me suis fait, si je le faisais un suplex, un Batista Bomb, j'allais gagner moins de points, c'est-à-dire que je me suis répété. Et là, c'est magnifique. Là, on est très bon. Je récupère, je lui fais mon magnifique Spear, et tout va bien. Allez, relève-toi. Le Spear, et c'est bon. Le Spear, il se relève plus. Voilà. Vous voyez comment il est là? Oui, comme il est, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, voilà. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Tu te relèves. Je sais pas ce que t'as pris comme stupéfiant. Normalement, tu te relèves plus après ça. Après ça, tu te relèves plus. En même temps, qu'est-ce Kevin Owens? C'est pas le champion pour rien. On est d'accord, on est d'accord. Mais fais attention. Oh, deux fois qu'il me contre ce coup là. Je me dis c'est un coup qui va assurer le. Qui va assurer, mais non. Oh, en plus il joue à ça. Il joue, il me donne un coup, il me fait tomber, boum, il me fait un tombé comme ça là. Franchement, tu me respectes pas, hein, j'avoue. Ouais, not today. C'est pas aujourd'hui qu'il me fera ça. Hein. Ouais. Mais troisième fois, je voulais tenter juste pour me dire Nasser. Non, non, non. Voilà. Soulève-moi, je vais te contrer et je vais te finir. Voilà. Je l'ai dit quoi? Je vous l'ai dit. Oh là 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 là. Mais ce mec, il fait que me contrer! Là, je le contre. Non, ah, je pense qu'il va me lancer. Voilà. Allez. Allez. Finis-le avec une prise dévastatrice. Voilà. Tu dis non, mais moi, je suis d'ici. Voilà. Magnifique. Allez, franchement, là, je récupère Batista Bombe et c'est fini. Batista Bombe. Voilà, c'est bon. Tu te relèves plus. J'ai même pas besoin de faire mon finisher. Tu te relèves plus. Et franchement, si tu oses te relever après ce tombé, franchement, je te détruis. Hein. Je te le dis tout de suite. Touche rien du tout. Rien. Et il veut vraiment que je le détruise. Il veut vraiment que je détruise. Bon, j'ai pas mon finisher du coup. On va refaire celle-là. Elle fait tout autant de dégâts. Par contre, ouais. Mon personnage qui est aussi KO que lui. Oh oui, ça fait magnifique. Non, mais j'aurais dû faire un tombé. Voilà, c'est magnifique comme ça. Allez, 1, 2. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, mais je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Le mec, il. Oui! T'avais qu'à bien jauger la distance! Bah ouais! C'est bon ça! Allez! C'est bon là, à un moment, t'as plus d'énergie, t'as plus rien! Arrête un petit peu! Voilà, merci! Merci! Je vous en supplie! Oh là là! C'était dur, hein! Dur dans le sens où dès le début, bah, il a un avantage! Et c'est surtout, on sait tous que Kevin Owens, que cette résistance. Il a une résistance de fou. Une résistance de fou. Fou furieux. Bray Wyatt. T'inquiète, toi aussi, je t'affronte très bientôt à WWE. Le jour où j'y serai. Hein. L'épisode 56, peut-être. Je sais pas. Allez. Montrez-moi ce qui va se passer. S'il vous plaît, annoncez-moi des bonnes nouvelles. Comme ça, on termine cet épisode. Qui va durer à peu près 30 minutes, je dis pas de bêtises.
Alors, lui, tu le moi, qu'est-ce qui va se passer? On dit superstar. Je pense que c'est peut-être la semaine prochaine. Bon, encore une fois, on va affronter Sami Zayn la prochaine vidéo. C'est pas grave. Bon, eh bien, j'espère que cet épisode numéro 16 vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Désolé si on combat toujours les mêmes. Hein, c'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux, que je pourrais bien pas filmer. Et vous montrer les. Enfin, comment dire, pas filmer ces matchs et vous montrer seulement quand je gagne le titre et après pour faire autre chose, mais une carrière c'est du début à la fin, on va pas faire n'importe quoi non plus. Et puis voilà, donc vous pouvez laisser un petit like si ça vous a plu, et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut!